Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto 3DS. Je vais vous apprendre comment faire une copie de sauvegarde d'une cartouche 3DS et ne plus avoir besoin de celle-ci pour lancer votre jeu. Alors pour réaliser cette manipulation, en fait on a besoin de Decrypt 9. Pour lancer Decrypt 9 depuis une console craquée, vous avez un tutoriel que j'ai fait qui concerne la conversion de fichiers 3DS vers les fichiers SIA que vous allez utiliser pour pouvoir lancer Decrypt 9. Ce lien sera dans la description, vous suivrez uniquement la partie PC. La partie 3DS de l'autre tuto ne vous servira évidemment pas. Pour convertir une cartouche 3DS en SIA, comment on va faire? Vous allez aller dans Decrypt 9 dans Game Card Dumper Option. Dans Game Card Dumper Option, vous allez choisir Dump Card to SIA. Ça veut dire en fait copier la carte au format SIA. La manipulation, en fait, la copie va se faire d'elle-même. Ça va se faire tout seul, vous n'aurez rien d'autre à faire. Une fois que la copie sera terminée, de manière classique, vous allez utiliser FBI pour pouvoir installer votre jeu que vous venez de dumper. Il va se trouver dans le dossier File 9 D9 Game de votre carte. Avec FBI, vous irez dans ses répertoires. Et vous pourrez installer vos jeux sans problème. Donc ça marche pour tous les jeux, hein. Vous pouvez dumper tous les jeux que vous voulez. Alors j'espère que ce tutoriel vous sera utile. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Puisqu'on fait beaucoup de tutos dans tous les types de consoles. Puisqu'on fait tout, les 3DS, les Wii, les Wii U, les Xbox, les PlayStation 3. Enfin bref, tout ce qui se craque, les PS Vita aussi. Où il y aura beaucoup de tutos qui vont paraître prochainement. Puisque la console est désormais hackable. Et elle sera disponible sur le site très très prochainement. Donc merci à tous et à très bientôt.